Salut à toi. Aujourd'hui, je suis au modélisme sud-africain. On va tester cette piste bitume et la petite piste TT. Et j'ai amené un peu de matos. Bonjour Thibault, donc tu es le président du club de modélisme sud-africain. Oui, c'est ça, alors, ça fait 2 ans. Aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte. Une journée découverte pour tous les gens qui ne connaissent pas le modélisme et en même temps une journée pour que tous les gens du club se fassent plaisir autour d'une bonne bouffe et après on brûle un peu d'essence. Je valide la bonne bouffe. Hein. Est-ce que tu peux nous parler du club un petit peu? Donc tu nous disais que tu es membre depuis un petit moment. Voilà, ouais, ça fait une petite dizaine d'années que je suis au club. Et je suis rentré avec le piston, après je suis passé à la cuisine et maintenant à la présidence et toujours en cuisine. Moi j'ai connu le club grâce à la journée endurance que vous avez faite. Sur Yankee, ouais. Sur le modèle 1/4 de la marque Yankee. Par 9h du soir, arrivé 9h le matin. Et les pilotes, 4 pilotes par voiture qui se relaient toute la nuit. Quoi, ouais, j'ai vu des images, c'était chouette. C'était pas mal. Le choix de faire ce type d'événement, c'est parce que vous êtes plus de cette échelle-là ou du thermique en général au club? C'est plutôt le constructeur qui connaissait la piste, qui était membre pendant un moment, qui voit ses voitures et qui a voulu faire regrouper ses pilotes autour d'un événement un peu exceptionnel. Ouais, et un coin assez sympa quand même, parce que du haut des podiums, on a quand même un paysage un peu sympa. Ouais, on a une belle infrastructure. Bon, on n'est pas tout à fait au point, on n'a pas l'électricité encore permanente, mais ça vient. Et donc là, une piste tout terrain, c'est arrivé après en fait pour compléter la piste bitume ou... Relativement dans les mêmes temps. Ouais. Il restait un coin et on avait des passionnés de TT. Et là, c'est pareil, quand je suis arrivé, ben, on a refait la piste, on a essayé de la faire évoluer. Et après, d'accueillir d'autres clubs, comme ça permet de faire découvrir le terrain, quoi. Oui, comme ça, oui, ça permet d'avoir aussi plus de gens qui peuvent ne pas accrocher la piste, mais mettre le terrain et venir quand même au club et profiter de l'ambiance, ouais. En tout cas, je trouve que les installations sont super sympas. Il y a largement de quoi accueillir plein de monde. On est bien, quoi. C'est vachement bien gaulé, tout ça. Donc là, aujourd'hui, c'était, tu me dis, une journée exceptionnelle. Si, tu veux adhérer à l'année, comment ça se passe? Donc on a une carte membre pour adhérer au site. Mmh. À partir du moment où on a la licence, cette carte membre, on a un code pour accéder à la piste. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour. Viens, okay. Tu veux, à n'importe quel moment. Et après, nous, ce qu'on fait, on a un petit groupe WhatsApp. On se dit, tiens, je viens, okay. Tu m'accompagnes, quoi. Et on se retrouve à quelques-uns. Voilà, il n'y a pas d'heure d'entrée comme d'habitude. D'accord, en semaine, comme les week-ends ou... Voilà. Il n'y a que la nuit où on n'est pas encore équipé pour rouler tout ça. Mmh. Voilà. Un club que je découvre, ça fait vraiment bon enfant, ouais, j'aime bien. Et dans un cadre super sympa, et de Montpellier, par l'autoroute, on est à 1h30. Et on ne paye pas l'autoroute encore, donc profitons-en. Et de Béziers, même chose, à peu près 1h20, 1h30, autoroute gratuite. Donc ça, ça permet à plein de gens de venir se faire plaisir ici pour pas bien cher au final. En covoiture, et puis on passe une bonne journée. Merci de m'avoir consacré ces petites minutes, et puis on va surtout aller rouler. C'est ça, on va faire un peu de bruit. Merci à toi. À plus.